Qu'est-ce que tu as? Pourquoi fais-tu cette tête? Qu'est-ce qui te trouble et t'émeut? On t'a fait du mal à l'école? Un professeur t'a puni? Un camarade t'a humilié? Tu es tombé sur le chemin? Tu ne veux rien nous dire? On s'inquiète pour toi. Promettez-moi, les enfants, de ne jamais plus courir pendant les matchs. Il ne faut pas trop s'épuiser. Il faut apprendre à se déplacer dans sa tête. Ouais, c'est beaucoup moins fatigant pour les muscles. Ne plus remuer, se poser comme des boules sur la pelouse et... Oh, ben formidable. Bon, c'était formidable. Aujourd'hui, la maîtresse nous a donné des devoirs très difficiles. Il était question d'une épicerie avec des tomates et des bananes. Il fallait trouver le nombre de bananes qu'on pourrait acheter pendant qu'on mangerait les tomates et qu'on pèserait l'épicière. Ou quelque chose comme ça. Je n'ai rien compris. Un jour, je ferai des maisons où il n'y aura pas de porte. On pourra venir dedans sans demander rien. On pourra se promener d'une maison à l'autre, dormir où on veut, changer de cuisine, de manger, de télévision. Mais on ne pourra pas changer de papa et de maman, ça non. Mais on pourra aller où on veut sans que personne se fasse du souci, sans que les papas et les mamans se prennent la tête et les cheveux. Il n'y aurait que des maisons avec des gens gentils dedans. Et on ferait comme on voudrait. Si par exemple, moi, je veux faire du vélo, je peux. Et si Aliane veut jouer avec ma poupée, il peut. Et si maman veut faire de la peinture, elle peut. Les papas, ils seraient là plus souvent. Ils verraient comme on est bien dans les maisons. On irait à l'école tous ensemble en rigolant. On pourrait aussi aller dans les maisons des maîtres pour les consoler quand on les a trop embêtés, et on ne serait pas obligé de se cacher. Si on est colère, les garçons verraient qu'on peut se parler, et moi, ça m'irait mieux. Parce que c'est pas facile de parler dans les maisons comme elles sont maintenant. C'était formidable d'essayer de deviner à quoi vous jouiez. Et cette équipe adverse qui répétait sans cesse et inlassablement la même combinaison. Alors, passe et but! Quelle fatigue! Il s'acharnait sur le ballon, alors que vous déambuliez tranquillement sur le terrain, comme si chacun de vous avait le sien. Bravo!
Alors, je ne sais pas si vous connaissez mes acolytes d'aujourd'hui, qui sont formidables, que je découvre, qui sont des vitriots. Donc, les moissonneurs, voilà, qui sont magnifiques et avec qui c'est un grand plaisir de travailler. Merci de me les avoir présentés. Je crois que Béatrice a eu une très bonne idée. Voilà, et puis pour les textes, vous avez entendu trois auteurs. Vous avez entendu Dominique Richard avec le texte du début de la fin, ça c'était L'enfant aux cheveux blancs. Vous avez entendu des extraits d'Hubert au miroir, toujours de Dominique Richard, les histoires de foot complètement délirantes. Vous avez entendu un texte de Claudine Galéa, Quand c'est grand, c'est comment. Voilà, très grand, c'est comment. C'était l'histoire de l'enfant où, quand je murmurais, là, toutes ces petites questions, enfin ces petits murmures, ça c'était Claudine Galéa. Et vous avez entendu aussi un texte de Catherine Zambon, Mon frère, ma princesse, Le passage sur les maisons. Hein, ça c'était Catherine Zambon. Donc tous ces auteurs seront à l'affiche, je crois, l'année prochaine au théâtre Jean Vilar. Et voilà pourquoi on vous les a présentés aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venus si nombreux à la mairie. Merci beaucoup. Merci au théâtre.